qui est bien avec les enfants, c'est qu'ils posent des vraies questions. Ils posent des questions qui sont essentielles, parfois très gênantes, parfois vitales, et qu'il faut leur donner une réponse vraie. Pas, il ne faut pas non plus tourner autour du pot avec eux. Et quand des enfants subissent le racisme ou subissent une sorte de traitement de deuxième zone, de deuxième catégorie, ils le vivent très mal, ils le vivent très fortement en eux. Et ces enfants ont besoin d'être rassurés sur leur être et sur leur avenir. Alors, une société qui ne réfléchit pas à cette diversité culturelle, qui ne la met pas en avant, qui ne la privilégie pas en quelque sorte, eh bien, c'est une société qui ment aux enfants. Donc, moi, je compte beaucoup sur l'école et sur les médias pour changer les mentalités. Nous sommes tous concernés par ce qui arrive, donc la lutte contre la bêtise et le racisme n'est pas une lutte à part, elle fait partie de tout un ensemble de combats que nous devons mener quotidiennement.